Noma Cork, chef de file du secteur des bouchons synthétiques pour bouteilles de vin à l'échelle mondiale, a la conviction que la gestion de l'oxygène tout au long du processus de vinification et le choix du bouchon sont deux facteurs essentiels au développement optimal du vin et à la préservation de ses arômes, de ses saveurs, de sa structure et de sa couleur. L'idée que le secteur viticole se fait de la gestion de l'oxygène a longtemps souffert du manque d'outils de mesure précis et flexibles adaptés à l'environnement viticole, de même que la capacité du viticulteur à contrôler l'oxygène pendant et après le processus de vinification, et ce, à chaque étape. En soutien aux initiatives de l'entreprise en matière de recherche en gestion de l'oxygène, l'équipe de chercheurs Noma Cork, désireuse d'offrir au secteur viticole au sens large une méthode de mesure plus performante, s'est attachée à recenser et étudier les divers systèmes de mesure de l'oxygène disponible. La technologie de l'oxoluminescence, actuellement utilisée par le secteur médical et l'industrie des boissons, a été identifiée comme étant le système le plus pointu et le plus précis actuellement disponible. Noma Cork a donc décidé d'introduire cette technologie dans le secteur viticole, ce qui lui a valu de remporter une médaille d'or dans le cadre de l'édition 2009 du palmarès français de l'innovation Citevi, qui récompense les innovations du secteur viticole en matière de produits, de services et de techniques. Ce procédé non-invasif qui permet de mesurer le taux d'oxygène dissous en un temps record à n'importe quelle étape du processus de vinification permettra enfin aux œnologues d'évaluer efficacement leurs procédés et de contrôler la qualité de leur vin. L'équipement de mesure de l'oxygène Noma Cork, commercialisé sous la marque NomaSense, consiste en un analyseur d'oxygène pouvant être connecté à un large éventail de dispositifs auxiliaires de classe alimentaire permettant de mesurer l'oxygène à chaque étape du processus de vinification, de la phase de foulage à celle du vieillissement après la mise en bouteille. Le processus de mesure de l'oxygène débute par l'activation via la transmission par fibre optique d'une lumière de couleur bleue des pastilles sensibles à l'oxygène placées sur la paroi interne d'une bouteille de vin. La pastille réagit en émettant une lumière de couleur rouge indiquant la présence relative d'oxygène dissous dans le vin. L'analyseur traduit l'intensité du faisceau lumineux de couleur rouge en une teneur en oxygène donnée. Placer une pastille sensible à l'oxygène à l'intérieur du goulot de la bouteille permet à l'analyseur de mesurer la teneur en oxygène gazeux de l'espace de tête de celle-ci. La procédure reste la même en cas d'utilisation de sondes plongeantes ou de jauges visuelles, lesquelles permettent de mesurer l'oxygène aux autres stades de la production viticole. Nous obtenons des données considérablement plus fiables qu'avec l'ancien système. En effet, le nouveau dispositif permet d'effectuer des relevés dans des espaces clos. Il permet en outre de mesurer la teneur en oxygène de divers échantillons, ce qui assure le contrôle et la récurrence des données à long terme. Le système de mesure de l'oxygène NomaSense est extrêmement précis, portable et non destructif. Il convient au mode d'analyse non-invasif. Il assure un relevé rapide des teneurs en oxygène, qu'elles soient élevées ou minimes. Les pastilles sensibles à l'oxygène et les sondes plongeantes sont réutilisables. Elles ne présentent aucune sensibilité transverse au dioxyde de soufre ou au dioxyde de carbone et sont conçues pour résister aux méthodes de nettoyage très rigoureuses propres au secteur viticole. Ajoutons, et c'est essentiel, que l'équipement NomaSense, qui bénéficie du soutien technique du réseau de services de Noma Cork, permet aux viticulteurs d'accéder à des informations précises favorables à l'amélioration de la qualité de ses produits et à la réduction de ses coûts. Son principal avantage réside dans son extrême facilité d'utilisation. Vient ensuite sa grande flexibilité, et ce qu'il s'agisse d'oxygène gazeux, dissous ou à saturation dans l'air. Il faut également souligner sa fiabilité et sa précision, ainsi que la facilité d'accès aux résultats. La gestion de l'oxygène tout au long du processus de vinification, que ce soit à l'aide des systèmes PreSense ou NomaSense, associé au choix d'un bouchon assurant l'homogénéité du transfert de l'oxygène, permet de garantir que le consommateur dégustera un vin tout à fait conforme aux attentes du viticulteur. Pour tout achat ou pour en savoir plus sur les systèmes et services de mesure de l'oxygène NomaSense, veuillez contacter votre représentant local ou consulter nomacork.com.